Fasciné par les armes à feu et les décors de clips musicaux, notre chauffeur de taxi ne comprend pas la question. Pour lui, il y a un peu de ça, mais il y a un peu de ça aussi. On fonce à travers Paris pour mettre la main sur l'organisateur du concert d'hier soir qui s'est barré avec la caisse et qu'on va tenter d'intercepter avant qu'il ait son avion. On doit récupérer la caisse vite fait parce que ce soir, il y a la soirée de l'année au Hamilton. Et il n'est pas question qu'on n'y soit pas avec le gros paquet à claquer. C'est pour ça que, roulant à fond, direction Roissy, Charles de Gaulle, on essaie de se détendre en parlant avec le chauffeur. La radio annonce des ralentissements à hauteur de Noisy-le-Sec. Pour lui, il y a un peu de ça, mais il y a un peu de ça aussi. Où on est trop naïf, où le monde est pourri. On veut avoir son avis, mais on prévient que comme l'état de la circulation en banlieue, c'est pas exactement ce qui nous fait rêver en cette seconde précise. Si on pouvait continuer, direction Roissy, ça nous irait bien. Le chauffeur fan de décors colorés et d'images saccadées retient cette fois-ci sa phrase préférée et continue de foncer. À ce stade, on se dit qu'une sorte d'évidence métaphysique nous a frappés. On est un peu con avec nos questions. Mais c'est parce qu'on a été déstabilisé par l'histoire de la caisse avec l'argent du concert. On veut juste savoir si l'organisateur est un voleur ou si on n'a rien compris. Il y a un peu de ça, mais il y a un peu de ça aussi.